Après la ville de Wissous, chef-lieu du département de la Sanga, le secrétariat exécutif permanent du Conseil consultatif de la jeunesse a poursuivi le mercredi 18 novembre 2020 la série de vulgarisation de cet organe institutionnel à Oando dans la cuvette. Ici, l'heure est à la vulgarisation du CCJ auprès des jeunes de cette localité. Juste Bernardin Gavé, secrétaire exécutif du CCJ, face à son auditoire constitué des jeunes de couches sociales confondues, a évoqué le contexte de création de cette institution qui est déterminée à faire entendre la voix des jeunes auprès des autorités. Nous nous souviendrons que lorsque le président de la République a pensé qu'il fallait réformer les institutions de la République, il y avait des discours qui étaient mis en avant et on disait de façon générale que cette constitution présentait beaucoup d'avantages pour la jeunesse. Mais bien au-delà de ces avantages, la constitution de 2015 a apporté quelque chose de nouveau. Et ce que cette constitution a apporté de nouveau, c'est le fait qu'elle a créé les conseils consultatifs nationaux. Il y en a 6. Pour ce qui est du Conseil consultatif de la jeunesse, objet de notre rencontre de ce matin, l'article 236 de la Constitution qui institue cet organe stipule en substance que le Conseil consultatif de la jeunesse est un organe chargé d'émettre des avis au président de la République et de faire des suggestions au gouvernement sur l'ensemble des questions liées au plein épanouissement de la jeunesse dans le cadre d'une gouvernance intergénérationnelle. Et pris d'entendre la voix de ces jeunes, notamment des difficultés qu'ils endurent au quotidien. Le secrétariat exécutif permanent du Conseil consultatif de la jeunesse, dans un élan d'échange participatif, a noté les doléances de ces jeunes qui sont animés par le souci de voir leur localité prendre l'envol du développement socio-économique. Et nous sommes très ravis de recevoir le bureau exécutif de la jeunesse dans notre localité et la majorité de bacheliers ici à Oando. Malgré la situation familiale qui ne permet pas de poursuivre bien leurs études au niveau de Brazzaville. Et nous implorons aussi au chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, de penser à nous, de mettre au moins l'université au niveau de notre département. Et c'est ce que nous souhaitons. Voyons les jeunes filles, mères qui traînent dans la ville et ne fassent absolument rien. Donc, c'était mon souhait de demander au secrétaire exécutif de la jeunesse de penser au moins aux jeunes filles, de créer les centres de formation pour elles afin d'être un peu indépendantes. J'attends juste que la réalisation de ce que nous venons de lui dire afin que notre société puisse aller en avant. Notre école a formé beaucoup d'infirmiers. Pour nos pratiques, nous n'avons pas de matériel, nous n'avons pas de laboratoire. J'aimerais que vous nous aidiez à l'élargissement de notre école. Un ensemble de doléances qui s'inscrivent dans l'agenda en cours d'exécution du secrétariat exécutif permanent du CCJ a laissé entendre juste Bernardin Gavé lors de cette rencontre citoyenne. Nous avons fait notre rapport synthèse et parmi les aspects que nous avons relevés et épinglés, c'était la répartition disproportionnée sur l'ensemble du territoire des établissements d'enseignement supérieur et technique et professionnel. Donc ne laissons pas la possibilité à certains endroits aux jeunes de pouvoir poursuivre avec leur cursus. Donc vous voyez que c'est plus ou moins une réalité qui est là, un problème que nous avons déjà identifié, mais le fait de savoir qu'il y a des réflexions qui vont dans le même sens ici à Oando, et d'ailleurs même à Wissous, on a eu plus ou moins les mêmes réflexions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le besoin de rapprocher davantage les établissements d'enseignement supérieur des apprenants est pressant, et nous pensons que le président de la République est très sensible sur ce genre de questions, et son gouvernement sera certainement dans le moyen et long terme, donner des réponses durables à cela. Nous avons fait un travail de réflexion, notamment en ce qui concerne la prise en charge des jeunes filles mères, mais la solution, c'est d'avoir davantage de centres d'apprentissage des métiers ou de centres de formation professionnelle. Nous avons déjà des CFA qui sont opérationnels et qui reçoivent environ 27 000 jeunes chaque année, selon les chiffres officiels que nous avons recueillis
à la fois auprès du ministère en charge de l'enseignement technique et professionnel, mais aussi auprès des partenaires au développement qui sont installés en République du Congo. L'idéal, c'est d'en avoir plus, et nous travaillons sur ça, mais c'est vraiment, comme on dit, un problème qui préoccupe. Cette série de descentes du secrétariat exécutif permanent du CCJ dans la partie septentrionale du pays s'inscrit dans le cadre de la dynamique qui voudrait qu'aucun jeune ne soit laissé pour compte dans le processus d'élaboration des décisions liées au plein épanouissement de la jeunesse.